What's up guys, Peur Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour la reprise du Let's Play Resident Evil 6 et comme je l'ai dit, on va reprendre doucement avec une campagne que je ferai en solo le temps que je filme les autres épisodes sur la campagne de Chris et de Léon avec un abonné ou un ami qui a le jeu. Donc c'est parti, on commence directement cette campagne avec Hala. Donc je sais pas pourquoi ils me font choisir les chapitres. J'en avais fini. Ah, j'étais pas au courant et vous m'apprenez des trucs. Bon bah on commence... Attendez, je vais voir comment marche le jeu, j'ai complètement zappé. Continuer, chapitre... Chapitre Ada... Et il faut prendre le tout premier, donc c'est parti, on commence le Let's Play de Ada Wong. En difficulté normale, écran solo. Et hors ligne, munitions désactivées, réaction... Attends, munitions infinies désactivées, réaction au tir, désactivées. Commencer la partie, here we go! Simmons. Ada Wong. Ça faisait longtemps. Pas assez longtemps. Je vois que vous aimez toujours autant jouer. On ne se refait pas. Et un coup de fil peut-être si... impersonnel. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai reçu des informations sur vous, Mademoiselle Wong. Elles seront déterminantes pour votre avenir. Intriguée? Pas le moins du monde. De voir ce que vous me jetez. Mais je vous en prie, allez-y. Attention, le niveau 4 est sécurisé par empreinte digitale, mais je vous en ai autorisé l'accès. Vous avez mes empreintes? Décidément, vous ne plaisantez pas. Oh, j'ai bien plus que vos empreintes, Mademoiselle Wong. Vous verrez. Bonne chance. Très bien, Simmons. Voyons ce que vous cachez. Donc, c'est parti. Alors, c'est quand même la reprise du Let's Play, donc je suis désolé pour tous les petits problèmes. Faut me dire ce qui manque. Donc là, j'ai vu déjà qu'il manquait les sous-titres, donc je vais les rajouter. Pour parler de scénario, je pense qu'il va y avoir des clones de Ada Wong, hein, vu qu'apparemment, il n'a pas que les empreintes digitales. Et c'est parti, on va donc rajouter les... Enfin, s'ils veulent bien que je mette Start. Non, start, ça fait pause. Ok, select alors.
Alors, quand c'est depuis le début, afficher blablabla. Changer les paramètres du jeu. Les paramètres du jeu, oui. Et. Attendez. Afficher les sous-titres. Voilà. Attendez. Pourquoi c'est pas coché? Bah ouais. J'ai pas compris. C'est pas grave. Normalement, là, il y a les sous-titres. Allez, c'est parti. On commence avec une pitaine d'arbalète. Parce que normalement, la campagne de Ada Wong se débloque avec quelques petits... je sais pas, des défis à faire ou un truc du genre. Ou alors, t'as amené les autres campagnes. Et là, il y a une mise à jour et elle est libre d'accès directement. Donc vraiment, ça m'arrange. Comme ça, je vais pouvoir vous la faire le temps que je tourne les autres épisodes. Je suppose que je pourrais aller me présenter. Mais je ne veux pas me mettre en retard. Donc c'est un pote, lui? Non, c'était un connard. Et il m'a même pas vu alors que j'étais en face de lui. Normal. Complètement normal. Alors attendez, quoi? Où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retrouvé enfermé d'un coup là. Attendez. Quoi? Ah d'accord. Je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là, mais... Putain, quelle galère. La caméra est tout excitée. Ils ont mis des... Oula, bonjour. Oula, bon, attends, on va le prendre au corps à corps. On a quoi comme arme? On a un Uzi. Alors là, je sais pas si... J'ai l'impression que, regardez, là, il y a un décalage. Si on passe peut-être au bon moment. Attendez, je pense que c'est ça, parce que je vois pas de passage autre part, en fait. Si, il parle. Oh merde, on s'est fait repérer. Oula, il parle quelle langue? Il parle du martien? Blablabla. Putain, il me pousse, ce connard. Putain. J'ai brisé le casque. Oh merde, il se transforme en zombie. Oh, c'était pas prévu. Ah. On va parler ta langue. Ah mais. Mais dégage. Putain, mais pourquoi je me suis fait repérer? Why? Non mais je suis mort là. Bon allez, butez-moi, j'ai compris. Butez-moi. Ok. Vous êtes même pas capable de me tuer, bande de cons. Tiens, je t'ai écrasé les boules. Non, I'm survive, je te dis. Vas-y. Barreau de mer, bon allez hop, on est mort. C'était quoi ça? On s'est cru dans Mars Attack, quoi. Bon allez, c'est pas grave. Ah là là. Ah merde, non, il fallait jeter des munitions. Qui aimerait jeter des munitions? Ah, regardez, on peut changer nos carreaux, j'ai l'impression. Comment on fait? J'ai envie de voir, je me rappelle plus trop comment on fait. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Non, mais qu'est-ce qu'il... Ah, le bordel. Je comprends pas. Je suis complètement zappé. Voilà, genre, je fais ça. Bon, là, c'est pour changer de côté. Je sais pas pourquoi. Le téléphone sonne. Ça, c'est pour tourner les armes. Triangle, rond, carré, croix, que dalle ça race. Bon, ah merde, il nous faut repartir de quasi le début, ces bâtards. Je suppose que je pourrais aller me présenter, mais je ne veux pas me mettre en retard. Ah mon dieu, tu ne veux pas te mettre en retard et bim, un de moins. Allez, on récupère les carreaux explosifs. Bon, ça genouille, oh mon dieu, on voit son petit cul. Bon, avec la caméra qui s'excite, c'est compliqué, mais... Non mais... On peut pas se baisser sur le jeu? Non, je ne me suis pas fait repérer. Merde. Allez tous crever en enfer, bande de connards. Oh. Wow, d'où il sort lui? Lui, il ramène son cul. Hey, il a un fusil mitrailleur son cul, hein. Voilà. Recharge. Là, j'ai complètement oublié toutes les touches. Il me faudrait un tuto là. Allez me faire en culette. Putain, je tape, je sais pas sur quoi. Vous de taper, je tape. Wow. Je passe à travers les lasers, d'accord. Regardez-moi ces trucs dégueulasses.
Allez vite faire. Ouh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui comprend ce qui est en train de se passer là? Ah, j'ai trouvé. Vite, tire. Bim. Mais exploser dans le feu des enfers. Ah, un connard. Non, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, je suis emprisonné dans de la base. Dans de la merde. Ok. Non, Ada Wong. Survie. Ça va exploser, ça va exploser. Bah oui. Bon, d'accord. Oui, très fort. Même très 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 fort. Pèse mon swag, bâtard. Non, sérieux, je comprends rien. Je n'arrive pas. On est au début, quoi. Au début, j'aurais dû mettre facile, quoi. Franchement, j'aurais dû mettre facile. Je me suis trop pété. Je fais, ouais, bah tu sais quoi, on va mettre normal. Mais j'ai oublié toutes les touches. C'est pour courir. Expliquez-moi les touches, s'il vous plaît. Putain, c'est le début de la campagne. Vous pouvez m'apprendre, quoi. Je suppose que je pourrais aller me présenter. Ouais, ta gueule. Mais je ne veux pas. Oh merde. Achève-le vite. Oh, putain, caca, parce que normalement là c'est une. Comment dire, c'est une exécution. J'aurais pas dû lui mettre de coups pour le tuer, parce que normalement ça aurait été un seul. Mais... Alors je sais qu'il y a un bâtard dans le coin là. Ouais. C'est lui qui m'aura pas tout à l'heure. Wow. Oh. Heureusement que je suis allé vite là. Mais... faut l'achever. Non, fallait l'achever. Ah non, mais dès qu'on s'est repéré là, c'est fini. C'est fini quoi. Mais regardez-moi ces enculés. Stop, arrêtez. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Oh non, OMG, quoi. OMG. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je sais qu'il y en a qui viennent dans mon dos des fois aussi. D'ailleurs, je sais pas d'où ils sortent, ceux qui viennent dans mon dos. Oh mais non, tout la chip. Pourquoi je tombe à terre en me prenant des balles? Soit je meurs pas, oh. Voilà, dans les boules, ça fait mal, hein. Attends, soigne-toi. Prends tes pilules. Prends tes putains de pilules. On va les attendre au haut des escaliers, on a l'avantage. Bim. Allez, encore. Cette fois, je me manquerai pas. Ah merde, fallait recharger, quel con. Mais ça arrive à 3000 d'un coup. Non, mais relève-toi, Daoung. Qu'est-ce que... C'est un pistolet à laser. Il a un pistolet à laser. On est foutu. Attends. Ils me font stresser, là. Je te jure, Mars attaque, quoi. Ça rase, là. Mais stop. Putain, mais quelle galère. Allez. Vous allez tous mourir, oui. Est-ce un miracle? Et encore la musique, genre. Il y a les méchants. Oh non! Putain, il s'est relevé en face de moi. J'ai... Bah, qu'est-ce qu'il fait? Je me positionne dessus, ce bâtard. Il va exploser. Voilà. Et encore la musique des méchants. La musique des méchants. Bon, je suis dans la caca. Il me donne que des. Oh, wow, 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 wow. Ils vont se calmer direct là. Attends, je vais un peu baisser le son de ma... mon jeu. À couvert. Oh là là là. Merde. On va faire la Call of Duty, mec. Bon, d'accord. On va leur mettre les carreaux explosifs dans la gueule. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends pas quand t'es derrière le mur. Vas-y, casse-le le mur. Waouh. Il sort, lui. Ils savent se baisser, ces bâtards. C'est une bande d'enculés. Ça me chie, ça. Allez, rapproche-toi. Putain, mais en fait je sais pas d'où viennent les ombres à chaque fois, je fais n'importe quoi. Soigne-toi. Ah mais quel bordel. Je suis vraiment une bouse, hein. Alors. Ne me tire pas dessus. Ne profite pas que je fasse le couillon. Non mais putain, mais je pensais qu'elle avait pas rechargé. Voilà pourquoi là. Mais là je comprends rien. Tiens, je lui ai mis dans les boules. Ça va crever là, one shot. Voilà. Bon, merde. Putain, mais j'appuie sur triangle. Moi, j'ai pris les touches du Resident Evil Revelation. Donc bon. Moi, voilà quoi. Wow, wow. Pas quand je suis baissé. Oh, 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 oh. Je crois qu'ils vont fuir là. C'était une bonne idée. J'ai failli exploser comme un truc. Je crois que c'est le dernier ennemi. Il est où ou pas? Oh, ça a pas pété.
Non, les mecs ils croient qu'ils sont cachés, tu sais. Voilà. Alors vous avez lâché quoi toi. On va remonter un petit peu son jeu maintenant. Putain, mais il y a encore la musique des méchants. J'en ai ras le cul de la musique des méchants là. Je veux la musique genre détente qui dit ouais, t'as survécu, c'est bien. Vous l'avez pas en stock celle-là? Merde. Je crois que c'est, ils ont désactivé la sécurité, on tente ou pas? Oui, ils ont désactivé la sécurité. Oh! Et merde. Oh, ça a pété un centre. Hein. Ah, mais j'ai plus de balles. Bah tiens, on est à l'objectif, donc je pense qu'on est bon. Pile pour le moment où j'ai plus. Hein. Non, merde. Ça continue. Attendez, j'ai plus que 10 flèches classiques. On va recharger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, le grappin. Oh, le swag. Et que Ada Wong pour faire ça, c'est ninja mon gars. Ça doit être la nouvelle race dont j'ai entendu parler. Oh comment on met dans les boules, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois je vise les boules des gens là. Je les nique. Merde, j'avais pas rechargé, putain, heureusement que j'y ai pensé au dernier moment. Il est où? Là, c'est un mec ça? Putain, je vous jure, avec les contre-jours, on sait que dalle. Hein. Alors attendez. Elle a pas une lampe? Sérieux? Oh my god. Arrêtez de bourriner. Non mais putain, et moi quand je recharge j'appuie sur R1 comme un con. Mais non mais, merde j'ai changé. Je suis passé en mode gaucher. Je suis passé en mode gaucher. Retire ton mode gaucher. Voilà. Pim. Vite recharge. Et putain mais tu peux pas recharger automatiquement quand t'as ton chargeur vide, bordel. Oh non mais il a plus de tête. Il a plus de tête. Mais merde. Oh ils sont encore beaucoup comme ça. Oh là là, mais à chaque fois. Oh, mais comment je fais de la merde? Quoi? C'est passé où là? Elle est passée où la flèche? Mais non, mais. Je vais mourir, je vais mourir! Relève-toi, Ada Wong! Putain, mais quelle galère avec ces murs là! Et voilà, je me suis tué! Non, je suis pas mort encore. Putain, mais je te jure, quel bordel! Charge vite, il va te niquer! Vas-y, vite que je me cache. Cache-toi. Putain, t'es bientôt réanimé. T'es bientôt réanimé. Allez. Allez, Ada. Oui. Par contre, là, je me fais tuer direct normalement. J'ai pas de spray de soin. J'ai que dalle. Ça rase. Oh putain, mais en plus, comme si ça suffisait pas, je vois encore moins que d'hab là. Ah, fuck. Non, il va se mettre à tirer. Non. Oh putain, je me suis pas pris une balle. Voilà, chatouze. Non. Putain, heureusement qu'il s'est pas visé cet abruti hein. Non mais là c'est impossible. Oh je l'ai eu. Oh Sarah je l'ai eu. Ah merde je crois qu'il se transforme. Et j'ai plus de mine de rien. Non ça va pas le faire là. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est transformé ouais. Non attends. Il va falloir le buter corps à corps même si j'ai pas vraiment de... Voilà vous avez vu j'ai plus d'endurance. Oh putain si je le bats comme ça je rigole. Allez. Allez courage. Putain, encore des tacles. Oh mais quel bordel, il va mourir. Oh. Oh. La bataille d'assister mon gars. Heureusement que j'ai plus vite que lui hein. C'est une blague. Mais il va mourir. Normalement ça tue ces petits coups. Putain j'ai jamais mis autant de petits coups pour buter un mec. Allez. Tu vas crever. Non, sérieux, j'ai plus de balles, mec. Faut que tu. Oh putain, ce que j'ai dû lui mettre pour qu'il crève, le mec. Oh, des munitions, d'accord. Combien il y en avait? Il y en avait 10. On va aller loin comme ça. J'espère qu'il n'y a plus d'ennemis. Je sais qu'il en avait un autre avec lui. Je pense que je suis dead. Hein. Attends, c'est quoi ça? Putain, on pouvait amener ça pour les exploser. Ah non, d'accord, il y avait un passage derrière. Putain, mais dis-le de suite, quoi. Tu sais, je passe discrète après avoir tué tout le monde, moi. Le mec très intelligent. Genre attends. Wow, je vois un rat là. Bah putain je vois que dalle. C'est oufissime. Putain j'ai l'impression mais. J'ai juste incliné mon joystick pour pouvoir gagner parce que je sais pas du tout ce que je fais là. Ouais. Putain vas-y jette-toi. Allez on continue. Il y a un moment où je vais mourir quand même parce que là. C'est plus faisable hein, si j'ai pas de. Ah une cinématique. Bon sang. Putain, on est un connard, mais comment on fait? Non, franchement, attendez. Blablabla. Non.
Non. Non, c'était quoi ça? Je crois que j'ai juste quitté le menu. J'ai eu peur, putain, je pensais que c'était un truc genre recommencer. Les commandes, voilà. Non mais moi je veux juste, en fait je veux juste savoir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les touches. Genre là pour se baisser je dois faire quoi? Il y a forcément moyen de se baisser. Voilà parce qu'on est en mode secret donc faut pouvoir se baisser bordel. Il me ramasse les munes, putain de race. D'accord. Je vois très bien le truc. Cassez-vous! Ils sont morts? D'accord, il y en a qu'un qui est mort. Non! Ada, non! Putain, c'est au moins la cinquième fois que je meurs là, c'est pas possible. Même plus, j'ai été gentil avec moi là. Mais c'est pas vrai! Alors, vous avez pété un câble, hein. La prochaine fois, je fais les chapitres suivants facile, un truc du genre, parce que. Oh, ils sont sérieux, ces connards! Vous avez vu où ils me font reprendre? Ah, mais quelle bande de chieurs! Je te jure. Ce doit être la nouvelle race dont j'ai entendu parler. Non mais j'ai pu... Quoi? Ils m'ont pas redonné les balles? Attends, attends, attends. Voilà. Oh mais putain, mais... C'est impossible, je sais pas, je n'ai aucun contrôle, on me dit rien. Faut m'expliquer comment il marche le jeu, s'il vous plaît. Non mais, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Dépousse-le. Voilà, je pense qu'on est bon maintenant. Faut toujours pas se baisser parce que je ne sais pas comment faire. On peut forcément se baisser, c'est obligé, putain, c'est obligatoire. Un jeu si on peut pas se baisser, mais surtout en infiltration, quoi. Voilà, je les passe tous comme des abrutis. Et regardez, j'ai toute ma vie, quelques munes, donc je pense que ça devrait le faire. On voit bien son cul là. Ouais, voilà. Petit cul. Ah, attends, c'est parti, on va. Allez, putain, mais. Elle va se bouger le cul. Mais 30 ans là. Voilà. Alors, normalement on va avoir une cinématique. Et normalement quand il y a une cinématique, t'as un checkpoint, mais pas là, pas dans Resident Evil 6. Bon sang, malarme. Putain, y'a un mec qui campe sur l'alarme quoi. Bon, comment on fait pour se baisser? C'est putain d'important dans un jeu vidéo de savoir se baisser quoi. Non. Bon bah y a pas de touche pour se baisser hein. D'accord, c'est génial. Non, tu ne m'as pas vu. Putain, ils vont aller sur l'alarme ces bâtards. Activez pas l'alarme, ne me cours pas dessus. Voilà, dans les boules. Dans les boboles. Bon, je suis vraiment en galère. Je vais pas vous mentir, bon bah j'ai bien fait de faire ce let's play d'abord avant de le faire en coop parce que sinon j'allais me ridiculiser. Bon enfin je veux dire me ridiculiser encore plus que maintenant quoi. Une bombe explosive, ça veut dire qu'il va y avoir un boss et j'aime pas les boss des Resident Evil. Ça je suis sûr et certain. Par contre, attends, l'alarme. Qu'est-ce que je dois en faire? Est-ce que je dois pas péter ça? Comme ça ils peuvent plus aller s'il faut avoir l'alarme. Et... Bim, la bonne idée. C'était pas une bonne idée en fait. D'accord. Vas-y, nique l'alarme. Ah non, mais je viens d'activer moi-même l'alarme là. Attends. Ils étaient vachement malins ça. C'était très intelligent. Oh oh. Tu crois que je te verrai pas mon petit? D'accord, faut recharger. Voilà, un emblème de serpent. Ça donne des bonus. Voilà, ils le disent en plus. Pas besoin de parler pour rien, Julien. Et ça arrive en plus. Et c'est parti. Ah mais putain, il y a plein de rats ici hein. Pas capable de faire le ménage. Où il faut que je passe? Non. Je suis bloqué. Attends, mais non mais déjà que je vois rien les mecs. Ah d'accord, voilà, c'est là. Oh là là, mais ils font exprès pour qu'on le voie hein. C'est pas possible. Regardez-moi ça. Putain, ils ont plus travaillé les graphismes de ses fesses que son visage quoi. Allez, tu vas te dépêcher, hop, et on va arriver dans une salle chelou. Avec, c'est quoi ça? Vous n'avez jamais eu bon goût, n'est-ce pas, Simmons? Ah bah tu m'étonnes. Je peux pas activer, c'est une sorte de bouton ça, non?
Ah! Alors, qu'est-ce que c'est ça? Attends, je comprends pas. Tu veux me le faire activer ou pas, bordel? C'est fermé. Je crois que je vais devoir travailler un peu, finalement. Là, il y a une sorte d'énigme. Déchiffrer le code... Wouah! Ok. Pas de problème. Déchiffrer le code du bureau et quand on va sur le truc marqueur de code, on se fait électrocuter, quoi. Ouais, c'est génial. Attends, ça veut dire quoi, ça, exactement? Ça, c'est le bord. Ok, 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 ok. Comment on fait pour taper les... Moi, je veux juste taper le code, en fait. Parce que là, quand j'appuie sur ça, ça m'électrocute. Voilà, pourquoi? Déjà, pourquoi? Il n'y a pas de courant électrique, donc faut m'expliquer le délire. Et là, je peux pas activer ces trucs. Si je tape dedans. Ah, mais tu te fous de ma gueule. Hein. Quand tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule, là. Attends. Qu'est-ce qu'il faut que putain que je fasse? Ok, ça, c'est le bord. Oh, putain, il y a un truc, là. Fallait le voir, ça. Hein? La vue est bloquée. La vue est bloquée. C'est génial! Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette énigme à deux balles là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Je peux pas défoncer la porte tout simplement parce que là. C'est que maintenant qu'on peut ouvrir ce tiroir. Ah, mais c'est dégueulasse! Ah, d'accord, donc là la vue ne va plus être bloquée, genre par magie, un truc du style. Un tableau! Ah tiens, quand il se transforme en serpent. Oh, c'est super stylé ce truc. Attends, mais donc ça, faut que je m'en serve comment du tableau là? Genre là, on voit le serpent qui est mis en évidence. Avec des morts. D'accord. Et là, j'en fais quoi? Genre, ça ressemble un petit peu à l'image là. Ok, what the fuck. Ah, ok, ok, bah c'est bon. Non mais tu peux pas remettre le serpent et me laisser quitter le truc. Genre voilà, là c'est parfait. Ok, faut appuyer sur croix. Ensuite. Tac, on tourne. C'est le serpent ça. Là. Toujours les énigmes de merde que c'est mon gars. Voilà. Là il y avait une cagette, j'ai l'impression qu'il peut donner des trucs. Ah non. Pas là, d'accord, ça ne donne pas de truc cette cagette. Et le serpent final, et voilà. Et là, ça devrait s'ouvrir. Ah, la magie. C'était pas une partie de plaisir. Tu parles. On s'est fait électrocuter deux fois. Que la camaraderie n'est pas une valeur phare ici. J'ai pas compris pourquoi ça nous a. Pourquoi ça tirait sur les potes là? Cette caméra me veut du mal. Je ne peux pas détruire la caméra. Bon, on attend qu'il passe sur le truc, c'est ça? Non, alors si je marche dessus, ça va le buter, c'est ça? Quel sacré bon idée. Risque d'affecter l'ambiance. Ça, je comprends pas le délire des caméras qui, quand tu vas sur une dalle, ça te bute les potes, quoi. Encore du jamais vu, ça. Autorisation reconnue. Accès accordé. Ça m'a même pas mis notre main qu'on était déjà reconnu, quoi. Trouver les informations secrètes. Très cher Adawong. J'avais pas compris, je pensais que c'était une cinématique et après il a été localisé dans la République d'Edonie.
Votre mission est de découvrir si son corps possède des anticorps contre le virus C. On ne peut pas prendre le risque qu'un vaccin soit créé. L'agent Birkin sera envoyé pour localiser votre cible. Votre tâche consiste à vous assurer qu'il quitte le pays en vie. Bonne chance. Ok, donc là il y a des secrets qui sont en train d'être révélés, hein. Pour ceux qui ont vu la campagne de Jack. Il y a 6 mois, ça ne colle pas. Je ne me souviens pas de ces ordres. Ils ont dû être donnés à quelqu'un d'autre. Ou alors donner à tes clones, l'ami. Ça y est, il me tire dessus, j'ai... Attends, mais... Attends que je... Que la cinématique soit finie avant de me tirer dessus, abruti. Tiens, ninja. Attends, on va l'écraser vite. Oh, yeah. Attendez, j'avais mon casque qui me faisait un peu mal. Voilà. Il est où? Oh, je ne me tire pas dessus, toi. Je suis une meuf, on ne me tire pas dessus. Attends. Merde. Mon stable. Voilà. Hop, on récupère ça. Alors les points d'habilité, je pense jamais trois. Enfin, jamais à les utiliser, va falloir que je pense un peu. Alors je fais quoi là? C'est la porte qui vient de s'ouvrir. On va se calmer direct là. Voilà. Non mais alors qu'est-ce qu'il y a encore lui? Ah ouais. Tiens. Qu'est-ce que ça te fait? C'est moi le corps à corps même. On va lui écraser la gueule. Voilà. Toi aussi. Attends, merde. Non. Non, je prends rien. J'ai mal aux yeux. Ça pique. Fatality. Alors, attendez. Hop. Non, je pense qu'autant de vidéos qu'on était là, on aurait dû finir 3 missions, vu tellement que je suis une merde. Putain, faut vraiment que je m'arrête. Oh non, merde, j'ai plus d'endurance. Nique-le. Nique la police. Non, mais putain, mais vas-y, recharge. Bim! Non mais je te jure, j'ai un truc avec les boules, à chaque fois je vise à l'endroit là. Et ça les one shot, hein, ça les one shot, regardez. Oh! Lui il en avait des grosses, hein, parce que putain il a fait 3 tours sur lui-même. Hop, on se baisse. C'est parce que je connais la faiblesse des gens. Voilà pourquoi je vise à un tel endroit. C'est tout simple. Vous avez vu ce que je peux faire? C'était bizarre, hein. Je peux me retourner pour tirer dans le... Vous dans allez, le... Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien. Quel monde de fou. Ah, ça a tué tous leurs potes, ça. Attends, merde. Oh, le contre. Ouh. Je fais des trucs, je sais même pas... Je sais pas comment je l'ai fait, quoi. Putain, mais il a hésité à tirer, lui. Enfin, il a même pas tiré au... Je parle votre langue. Raté, bon. Sérieux, c'est même pas du russe. Normalement quand c'est un jeu comme ça, c'est des russes qui parlent. Ok. Tu vas me lâcher direct toi. Voler par un zombie, c'est pas mon délire. Voilà. On va lui écraser la gueule. Merde. Putain, mais j'appuie sur toutes les touches au pif. Mais... Nique la police. Ah, il est mort, c'est bon. Oh, je sais même pas ce que je fais. En fait, les tourelles font tout à la place. Hein. Putain, mais elle tire 30 ans sur les mêmes ennemis. Là. Ouais ouais, Ada, on patiente que les ennemis meurent. Ouais, hop, hop. Mais en fait la tourelle elle s'arrête jamais, on n'a pas besoin de rester dessus. Wow, qu'est-ce qui se passe? Du calme les gens, du calme. La tourelle va quand même les buter, donc on s'en fout. On va charger. On va peut-être les prendre au corps à corps, c'est une bonne idée. Et bim. Quoi ça? Je sais pas c'est quoi ce truc là-bas. Je vois pas bien. Une sorte de tourelle, on va vite passer. Et normalement on devrait le buter en ce temps là.
Voilà, c'était tout con. Et là. Allez. Bon, on s'en est plutôt bien sorti. Maintenant, ce que je demanderais, ce qui ira dans Resident Evil, c'est d'avoir un endroit éclairé, parce qu'avec le contre-jour, vraiment, je vois que dalle. Ça me bousille. Ah non, bon, c'était pas maintenant. Hein. Tout ce que j'ai trouvé, ce sont ces mystérieux ordres vieux d'il y a 6 mois. Il essaie peut-être de me manipuler. Je déteste jouer au jeu des autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Trouver le véhicule de ce stage. Loin. J'ai fait mon temps ici. Ok. Wouah, la force. Bon, bah, on peut tuer avec l'arbalète, hein, vu que c'est genre mission d'infiltration. De toute façon, le Uzi, c'est de la pure merde. 60 balles, ça n'a pas tué un seul mec, quoi. Une nouvelle arme, là. Il y a déjà une nouvelle arme. C'est un fusil de fond. Oh, excusez-moi. Je suis sous le choc. Je crois qu'il y a une sorte d'affecté chelou, là. Ouais. D'accord. Ça me fait penser au boss du Resident Evil 5. J'ai pas spoilé qui c'est. Pour ceux qui connaissent pas les Resident Evil, mais il ressemblait un peu. Enfin, je veux dire, dans le style d'infection, quoi. Par contre, je sais pas où il faut aller. Là, il y avait un infecté, mais il n'y a pas de passage. Et ce qui est drôle, c'est qu'on entend un ennemi, donc. Je ne sais pas que je sois allé par là déjà. Peut-être que je fais du marche arrière, je sais même pas ce où je vais. Voilà, mais c'est grave. Hein. Mon cerveau doit être grave atteint là. Parce que. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Ok, non, mais c'était la caisse, voilà. Bah attendez, on peut pas le taper parce que. Non, on est obligé de gâcher toute balle, c'est génial. Enfin, je crois qu'ils nous ont donné le Uzi pour ça. Voilà. Bon, bah j'ai bien fait de revenir sur mes pas parce que je crois qu'on est vraiment revenu sur nos pas de toute façon. Ouais, effectivement. Et on va aller par là. Oh, le méchant qui est mort, one shot, hein. Vive le fusil à pompe. Oh mais ce fusil à pompe, je sens que je vais le lever. Hein. Putain, mais on dirait qu'elle est finie, genre la samouraï. Ouch. Gros coup dans la tête là. Voilà, je me concentre un petit peu parce que je vous jure, c'est encore pire, je vois rien. Donc bon, le comique il est plus là, il est déconcentré, tu vois. Attends. Parce que là, vous voyez, c'est plus comme The Last of Us, j'arrive un petit peu à faire des. Les commentaires les plus joyeux, hein, comme on m'a demandé. Alors, il va crever, toi. Et pim. Alors, moi, ce qui m'a toujours fait rire dans les jeux vidéo, c'est que les mecs en direct ont des têtes faites de mousse, quoi. Genre, suffit de les cogner une fois contre un mur, elles explosent, ou avec un coup de crosse, elles explosent aussi. Alors, lui, il a un bouclier, c'est génial. Putain, il a fallu que je tombe sur le seul mec qui arrive à transformer son infection en bouclier. Comme si on avait dans le Revelation. Voilà. Et voilà. Normal. Alors attends. Il est où, monsieur bouclier? D'accord. Bah alors lui, il se laissera pas avoir. Hein. On va juste aller récupérer la caisse. Si je peux. Sans prendre trop de risques. Voilà. Bon, bah mais finalement, normal, c'est assez facile. Hein. Attends, mais c'est quoi ces contrôles de caca là? Quoi? Oh, je suis à terre. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce sort de truc s'active là. Qu'est-ce que je dois faire avec? Attends. Alors, monsieur bouclier, on va le niquer. Voilà, je pense que ça devrait aider déjà. Enfin, j'espère du moins. Et ben j'ai toujours pas de solution, on me canarde tout à l'heure et voilà.
Allons bon. Ah voilà, attends, c'est magique. Tout ça parce que j'ai tiré sur un mec. Sérieusement. Moi je pète des caisses alors que je vais mourir, je m'en fous. Oh là là, à la Batman mon gars. La coque est détériorée. Préparez-vous à évacuer immédiatement. Non, mais quand un héros de jeu vidéo arrive quelque part, il y a tout qui pète. Hein. C'est assez impressionnant. Ok. On va faire le deuxième. Wow! Le deuxième sous-marin ou bateau plutôt. Ben voilà le truc qui est dans l'eau, qui va couler. Donc c'est génial. Je tape dans le vide. Ah mon dieu, le paradis. Ce sous-marin ne pourra pas tenir très longtemps. Cool, le saut. Alors. Batman Power. Olé. D'accord, d'accord. Je le refais plus, messieurs. Allez. Là, je sais pas comment le sous-marin se peut enfin emporter parce que bon. Oh. I will survive. D'accord, je sais pas ce qui vient de se passer. Je vois rien, je vois des sortes de lumières rouges qui s'affichent sur mon écran. Et j'essaie de continuer tout droit et je vois. Ce que je... Le seul truc que je vois très bien en fait c'est les indications pour appuyer sur les touches. Ah, tiens, on voit encore moins. Qu'est-ce qui se passe? Hop! Petite pirouette et cacahuète. Il y a des méchants. Il y a des vilains méchants. Non, mais putain! Voilà, je pense qu'on va prendre le fusil à pompe parce que. Je me sous-marre un petit peu la bougeotte là. Comment il a essayé de me baiser cet enculé? Non, je m'enfuis, hein, je me laisse crever comme des cons. Ok, ça va être genre une esquive de conteneur parce que là je le sens pas. Ouais c'est ça, c'est génial. Oh là 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 là, qu'est-ce que je dois faire? Putain, ce bouffe des boîtes de conserve dans la gueule. Allez, va plus vite. Putain, mais je la fais ramper comme une conne. Hein. Et... Non. J'y ne meurs pas. Et putain, mais elle a fait un demi-tour, ça c'est à cause de la caméra quoi. Arrêtez de la faire aller en avant derrière quoi. Allez, oh. Putain, c'est que mon cerveau à la con, vite. Non mais sérieux, elle peut pas lâcher son flingue là, c'est fini. What the fuck. Ah ouais, attends. Genre avec ça on n'est pas mort. Je crois que les gens ils ont oublié que la vitesse on l'a gardée. Hein. Passons au plan B. Oh ouais, ils ont pas pris bien leur leçon de physique parce que. C'est pas parce qu'on quitte le conteneur qu'on perd notre vitesse. Hein. Normalement ils auraient dû se ramasser comme une merde. Oh là là. C'est quand même des adultes qui ont fait des études quoi pour faire ces jeux. Ils sont même pas au courant des lois de la physique. C'est Resident Evil, si ça veut un minimum réaliste, c'est pas un jeu. Je sais pas, y a pas de magie ou des trucs comme ça quoi. Enfin, déjà que je trouve ça un petit peu bof bof quand t'as des mecs qui tripent de masse organique, voire se multiplient par mille, là ça me fait délirer. Mais pour le coup, qu'elle se sauve comme ça, non quoi. Faut que je me dépêche. Alors, hop. Allez. Ah ouais, putain mais. De toute façon elle finira à l'eau dans tous les cas donc. Voilà. Oh qu'est-ce que. Un homme araignée, c'est Spider-Man. Nous on est Batman et il y a Spider-Man qui nous poursuit les mecs. On fuit. On est trop faible face à lui. Hop, alors. Où suis-je censé aller?
doit tourner la vanne, je sais pas pourquoi. Non. Allez. Oh, ça me nique le doigt. Voilà. Je sais pas à quoi ça servit, clairement. Ça a ouvert le passage où, ça? Non, faut m'expliquer. Faut m'expliquer, s'il vous plaît. Je vais mourir. Voilà. Wow. C'était Spider-Man, ça? Je sais pas où je vais. Et j'ai l'impression de faire full marche arrière. Ouais, d'accord, j'ai noyé. C'est-à-dire que je suis mort, ça. Ouais. Mais bordel, mais ils expliquent pas aussi, on voit rien. Non, mais je vais me coller à l'écran. Je vous jure, je faisais ça dans le premier Let's Play sur Jacques. Voilà, je me suis collé à l'écran. Voilà, c'est génial. Ça, on va encore plus bousiller les yeux, mais au moins on verra quelque chose. Enfin, je me vois plus que l'écran, quoi. Je vois plus mon reflet dans le truc. Allez. Oh putain. L'eau s'infile trop vite. Faut que je me dépêche. Ouais, et genre là, je suis censé faire quoi? Je peux sauter? Attends, pourquoi ils m'ont fait chier tout à l'heure? Je peux pas et je coule avec ce soumis. Ça, je l'ai déjà fait. Là, on va se faire attaquer genre par Spider-Man. C'est genre qu'on l'a pas vu. Oh non, il y avait un emblème bleu. Je crois pire. Attends, on choque ou pas? C'est impossible. Putain, mais regardez-moi cet angle improbable. Bon, tant pis, on l'abandonne. Voilà. Là, on va tourner la vanne. Il faut bien regarder. Oh non, mais à chaque fois, je rappuie sur croix comme un con. Il faut bien regarder qu'est-ce que ça fait. Parce que vraiment, j'ai pas compris. Voilà, mais ça veut dire quoi, ça? Je dois faire quoi? Voilà. D'accord, donc ça m'ouvre un chemin. Putain, j'avais pas pité ça. Heureusement que je me suis collé à l'écran pour ce coup-ci. Allez. Putain, mais... Voilà, là on peut aller plus vite en faisant ça. Hop, si. Bon. Ouais. Voilà. Ah, mais la caméra s'excite trop, je comprends rien là. Ce sous-marin coule vite. Ce sous-marin coule vite. Oh, on dirait qu'elle a perdu tous ses sentiments en une phrase, quoi. L'actrice qui fait la dégueuse, quoi. Allez! Mais putain, mais il fait quand même bien des tâches, ce sous-marin, là. Sous-marin, mon gars. En hauteur, il fait la taille d'un immeuble. Oh mais c'est... Non mais c'est pas un sous-marin là, c'est pas possible. Oh, c'est un Costa Croisière et tout là sous l'eau. Zombie. Si votre partenaire est entouré de zombies, approchez-vous et appuyez sur rond. D'accord. Ah, c'est pas fini. Il faut encore s'échapper. Alors là, il y a juste eu un chargement pour passer d'un endroit à l'autre. Oh non, mais c'est quoi ça? On n'a rien vu. On continue de se barrer. Attends. Je suis censé aller vers où? Oh, je te jure, ce qui... Mais c'est quoi ça? Mais dégagez! Je sais pas ce que je dois faire.
D'accord. Le truc qui nous montre pas en évidence, quoi. Oh, j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge, les gens. Allez. Il va me falloir plus que non. Je dois rétablir le courant pour utiliser ces torpilles. Parce qu'elle veut utiliser des torpilles. D'accord. Comment je fais, moi? Alors là, faut forcément se baisser, non? C'est ça la blague? Non, on peut passer par là. Mais c'est moi où le sous-marin est retourné. Mais si le sous-marin est retourné, comment ça se fait que les échelles sont droites dans le bon sens? Ça me rend fou, ces trucs. Ah, mais c'est dégueulasse. Oh, allez, hop. C'est dégueulasse. Ah, franchement, je jure, en quelques minutes de jeu, je suis déjà là synchrone avec les persos principaux, quoi. Attends, je sais pas ce qu'il faut faire, là. Oh, mais qu'est-ce que... Voilà. Merde, je vais me noyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Accélère un coup. Ok, non mais alors là, mais les mecs, arrêtez de mettre des passages de nage si vous contrôlez pas les gameplays de nage, quoi. Je le répéterai jamais assez. Ok, tout ira bien si je reste sous l'eau. Bon, le courant est revenu. Je vais tester mon pouvoir de persuasion. Ton pouvoir de persuasion. D'accord, donc c'est parti, on va faire un demi-tour. Je sens qu'on va se faire attaquer par un petit monstre dans l'eau. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Ce sous-marin est fiché. Il est grand temps de s'éclipser. Ça fait juste 30 ans que tu répètes 3 fois la même chose, mais c'est pas grave. On t'en veut pas, Ada. Allez, moi en fait j'attends juste pour terminer l'épisode, la fin du chapitre 1-1, quoi. Ça fait 30 ans qu'on est dessus. J'ai... Attends. Oh là là, mais on est paumé dans l'eau, c'est impressionnant. Allez. Ah putain, ça rase le gameplay de caca. On y est presque. Super, j'ai récupéré des carreaux, c'est pas du tout ce que je voulais. Je veux juste me barrer d'ici, s'il vous plaît. Et logiquement, c'est juste en face, mais... On va mourir noyé. Putain, mais en plus c'est tout rouge. Et putain, mais laissez-moi voir quelque chose, quoi. Je sais même pas où je vais là. Ah, mais y a pas de lumière, mais c'est... Ah, mais c'est oufissime. Faut pas tirer dans l'eau. Donc ça, c'était même pas le bon chemin, quoi. Eh, mais c'est bloqué maintenant. Eh, mais on se fout de ma gueule, hein. Donc, heureusement que je viens de remarquer que c'était juste au-dessus, en fait. Hop, par là. Voilà. On est bon, les gens, on est bon, allez. Ah, on retombe dans l'eau encore, mais c'est pas possible. C'est devenu une manie, là. C'est notre vie. On va s'échapper de ce sous-marin à la cinglingue. Non, je rigole. Quoi? Attends, mais... Non! Mais c'est pas possible, je suis revenu... D'accord. On se fout de ma gueule, là, c'est pas possible. C'est clairement du foutage, hein. Allez, courage, Julien. Tu peux tenir le coup. Il faut aller où, maintenant? Il y a des chemins de partout. Je pense qu'il allait dans l'eau, non? Et cette bestiole dégueulasse, là. On ne bouge pas, là? Si ça vient de secouer, c'est qu'il faut que je plonge ici. Non, là, c'était le mauvais endroit, allez. Oh, je vais devenir fou. En plus, pourquoi il y a des chiottes de partout comme ça? Parce que si je remonte à la surface ici, je crois qu'on est bon. Attends.
Et oui, as a champion, my friend. Et as a champion, to be a... Ah non, mais je suis content, putain, on a galéré comme des porcs. Oh putain, prochaine fois, je continue le let's play, mais quand il fait nuit, hein, parce que c'est pas possible, hein. Il fait grand jour comme ça, putain. J'ai l'impression d'avoir un écran noir, quoi. Bon, le courant est revenu. Ok. Et on va activer les torpilles, mais j'ai pas compris la logique de Ada. Effet de Ada, tout faire péter. 760 mètres. Répondez à toutes les questions dans le microphone. Sérieux ? Identifiez-vous. J'ai un petit peu occupé là. Oh, voilà. Revenez plus tard. Ok, je l'ai. Autorisation accordée. Accès. Il y a 6 mois, vous avez mené des expériences sur des humains en Édonie. Vous exécutiez les ordres de ce humain, mais vous le faisiez de plein gré. Qu'comptez-vous donc faire pour expier ces crimes? Très intéressant. Mais je dois corriger quelques points. Je travaille pas pour Simon. Et je n'ai aucun crime à expier. Ça va, il m'autorise pour des démarrages. Mademoiselle Wong. Oui, absolument. Je sais très bien ce que vous cherchez. La destruction totale. Ai-je raison? Pourquoi me poser la question? Si vous me connaissez si bien, la destruction totale, c'est vraiment pas ma priorité. Mais ça déplairait à Simmons. Alors je vais peut-être y penser. Autorisation accordée. Excellente réponse. Maintenant, la dernière question. Êtes-vous prête? 1 minute. À mon tour. Qui êtes-vous? Oh putain, pose des questions maintenant qu'on va mourir, quoi. Autorisation accordée. Il n'y a rien qui m'oblige à vous répondre. Ma dernière question. Qui combattez-vous? Barrez-vous les insectes. Oh, je suis mort. Sérieux? Je peux rien faire là. Je veux survivre, faut que je survive. J'ai plus de balles. Lâchez-moi, je n'en suis plus. Allez, réanime. Oui! Allez, réponds! Avec tout ce qui se met sur mon chemin, on dirait que le virus fait toujours partie du lot. J'aime votre réponse. Non. Vérification d'identité terminée. Simmons va vous recevoir. Bah vite, qu'il me reçoit parce que je vais mourir. Je sais pas comment je suis encore en vie, quoi. Bah voilà. C'est une blague. C'est pas vrai, mais j'ai mis normal, j'ai pas mis... Impossible! On se fout de ma gueule. Bon, le courant est revenu. Bon, les gens, je pense qu'on va arrêter l'épisode là. En tout cas, j'espère qu'il vous aura quand même plu. Prochaine fois, je le ferai le soir. Ne vous inquiétez pas, comme ça, je suis sûr et certain de ne pas me faire niquer non-stop. Et je pense qu'on avancera plus rapidement sur ce Resident Evil 6. Voilà, les amis, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss et à la prochaine.